Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est suspect! C'est très très suspect! C'est l'orbe! C'est très suspect! Il n'y avait même pas de prophétie, c'est juste une légende! C'est suspect! Oh mon dieu, ça va réagir! Oh mon dieu! Regardez! Qui me réveille? Qu'est-ce que c'était? Oh là là, Fildrong, il est trop fort! Il gagne la glace contre le feu et le combat contre le spectre! Fais-moi des enfants lol MDR PTDR lol! Yo les trashers, salut à tous, c'est Fildrong. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence. On est toujours plutôt bien et regardez ce que je suis allé chercher. Merci dans les commentaires. J'ai la Delta Cisaioxite et d'ailleurs le défi du jour c'est d'utiliser un seul Pokémon. Et je sais pas comment on va faire. Alors on va y aller avec Cleaver, j'espère que ça suffira. Je pense que je pourrais le faire facilement avec Anus. Anus, donc, version Florizarre. Mais j'ai un peu peur que ce soit trop long avec spamage de plénitude et tout. Donc là, je sais pas trop où je vais. Bah, je vais là. Bonjour! Voilà. Je vais à Utira Town. Parce qu'il y a de la, il y a de la fumée. D'accord. Allez, c'est parti. Ah! Salut Cleaver. Alors, je peux méga évoluer. Les gens me disent, mais Fildrong, il faut que tu méga évolues plus souvent. T'es nul, t'évolues pas. Parce que méga évoluer, ça fait perdre du temps quand même. Ah oh, ouais, mais là, ah mais il est moche en fait. Eww. Et je me fais dépasser par un autre Cisaiox. C'est un peu la teon. Du coup, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer si. Si je meurs, c'est une excellente question. Fildrong propose des défis, mais il ne sait pas quoi. Non, mais c'est pas grave. Donc, on va utiliser que Cleaver aujourd'hui. Il veut apprendre Cross Chop, ça tombe bien. Une attaque de type combat un peu plus puissante. On va oublier Ice Ball, qui est un peu nul. Et ce qui est bien, c'est que on n'a plus... On n'a plus... comment ça s'appelle? Oui. On n'a plus seul, on n'a plus agitation, donc du coup... On n'a plus agitation, donc on rate moins de nos attaques, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouh, Gigalith. Je sens venir l'attaque. Ah non, mais je suis neutre au combat. Oui. 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 Hop, et le sweep ne peut plus rater. Oui, en fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'ai oublié de le faire méga évoluer. Ah, mais Fildrong, pourquoi tu fais pas méga évoluer ton Pokémon? Est-ce que je peux surfer sur la lave? Non, bah non. Salut. On est les sponsors de la librairie de Tauren. Enfin, de la bibliothèque, plutôt. Pas la même chose. Ouah, Rich Boy. Alors, toi, t'es mort. Ah non, il va me dépasser. C'est pas grave. Hop, je méga évolue. Attention, vous êtes prêts? Un méga cleaver, le vieux petit méchant. Crève. Mantine. Lui aussi va me dépasser? Non, c'est bon. Ouf. Ah ouais, parce que par contre, je tape très fort. Hein. J'ai une grosse attaque, ça c'est sûr. Mais encore une fois, hein, j'aimais bien Cleaver version, version assécateur quand même. Mais bon, vous êtes la dictature de faire évoluer les Pokémon. Hein. Faut que tu fasses évoluer les Pokémon, faut que tu fasses évoluer les Pokémon. Je rappelle quand même que Cisaiox a le même nombre de stats de base qu'un sécateur. C'est vrai en plus. Je ne vous raconte pas des cracks en vous disant ça. C'est juste que Cisaiox a un peu plus d'attaque. Mais bon, c'était contré par agitation. Et à côté de ça, il a plus de défense surtout. Mais du coup, là, du coup, regardez, je me fais dépasser par presque tous les Pokémon de la galaxie. Donc c'est super chiant, parce que du coup, je prends toutes les attaques. Et je préférais avant, parce qu'au moins, j'étais plus rapide. Ouais, donc en fait, I blame you. Regardez ça, ils sont tous... Heureusement qu'ils ratent leurs attaques, hein. Ils sont tous plus rapides que moi. J'ai essayé de faire... Fatal Food, les abrutis. C'est bon, j'ai fini, déjà? Hein? Oh! C'était quoi ça? C'était un vol de LEDL.
L'augure a sauvé ce pauvre homme de la caverne Rezaï dans le désert. Non, c'est un complot! Madame, c'est un complot. Écoutez-moi, je sais que... Écoutez, madame. Je sais que j'ai un caca sur la tête, mais... Il faut que vous me fassiez confiance. Ne me tournez pas le dos! Ne me tournez pas le dos, madame! Madame, madame, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas menace... Écoute-moi! Écoutez, vous êtes ignorante. Vous avez tort. Encore, encore! Oh, oh, les ailes d'elles sont tellement beaux! Ils sont dans le ciel! Ah, ils sont partis. Eh ben, dis donc. Ok. Satoru Iwata. Oh! Rest in peace, Satoru Iwata. Pourquoi je l'ai fait avec la tête et pas le cœur? Oui. Bon, allez, on va à la bibliothèque. Non, pas toi! Mais j'espère vraiment que, comme j'ai pris l'histoire triste, il va mourir à la fin. Bienvenue à Utiratown, c'est une magnifique place. Nora! Ah, elle, je l'aime bien, tu vois, elle est cool. J'ai entendu ce qui s'est passé sur la Jade Tower, c'est horrible. C'est dur de croire que l'augure est un méchant. Mais en fait, non, c'est pas vraiment un méchant, il m'aime. Mais comme j'ai refusé son amour... Il a essayé de me tuer avec Rayquaza. Ça a été assez dur à croire, mais bon, j'ai plus rien, moi. C'est mon attirail, mon look, tout en moi est attirant. Oui, donc ici, la bibliothèque du Tira, la plus grande collection de livres. Oh là là, bon, bah on y va alors, je vais lire. Oui. Je peux y aller en premier. Ah, Damien. Oui, d'accord. Nous avons des méga rings. D'accord. Alors, qui je veux défoncer? Nora ou Damien? Bah, Damien, sa team, je l'avais déboîté, vous vous rappelez? Mais Nora, j'ai jamais combattu. On va jouer contre Nora. Bah, moi aussi, j'ai une méga abruti. Attention, moi aussi j'ai une méga. Méga Cisaiox. C'est vraiment le plus beau. Il est vraiment trop mignon. Et il se prend des têtes de fer. C'est impossible ce défi en fait. Pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça? Non, ça va. Flygon, il va me dépasser. Non, méga Flygon. Oh. Oh, il est pas mal. J'aime bien le look. Oh mon dieu. Il a raté. Ha! Connard. Crève. Voilà. Le pouvoir de la méga évolution. Cleaver, j'ai l'impression qu'il a comme talent esquive. Bon, là, je suis bien plus rapide que Floette quand même. Et voilà, mais par contre, je rate. Ah putain, je suis mort. Non, je suis pas mort. Il m'a baissé mon attaque spéciale. Ok, hyper potion. Je ne dois pas mourir. Ok, je peux tenir deux moules blast. Par contre, ça c'est cool, c'est que du coup j'ai du gros bulk. Allez, crève. Ok, c'est bon. Next. Celebi, c'est pareil, je le défonce. Ah non, il a psycho. Non, ça va, il a naturel. Allez, crève. C'est bon, je les défonce. Cleaver. Type combat glace quand même. Hein. Un own close. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. J'ai presque envie de le mettre à la place de Low Sweep. Parce qu'en fait, ça va booster ma précision. Donc du coup, ce move-là et ce move-là, hein, coup croix et je sais plus quoi. Icicle Crash, je ne me rappelle plus le nom en français, désolé. Du coup, ça aura un super effet. Mais en même temps, je veux pas oublier Low Sweep. Parce que sinon, je vais au bout de 15 attaques, je vais plus avoir de PP. Mais en même temps, c'est vraiment cool. Je peux oublier Night Slash. J'ai oublié Night Slash, c'est pas non plus. Tu n'as pas voulu faire ça, n'est-ce pas? Allez, Cleaver.
Voilà, et avec un seul Pokémon, je l'ai battu en plus. Mega Cleaver. Je ne peux pas croire que j'ai perdu un corps. Eh oui. D'accord. On retourne dans la librairie. Dans la librairie, dans la bibliothèque, Fildrong. C'est un faux ami, hein. Faut faire attention. Voilà, elle est devenue très forte. Bah non, je l'ai défoncée. Pourquoi vous dites ça à chaque fois? Vous voyez dans Pokémon, les gens, les rivaux, ils disent toujours « Oh là là, je suis vraiment très fort !» Et puis tu les défonces et ils disent « Ah là là, je suis vraiment très fort !» Mais enfin, non, je sais pas, je t'ai défoncé au bout d'un moment. Oh, j'ai presque oublié, j'ai trouvé ça. Un cheveu. Un cheveu. Ah, oh, je vais pouvoir me transformer en Abyssal cultiste. Super. Avec Mew. C'est ça la... Oh, la bibliothèque. Mais c'est la musique triste. Je suis Zacharia, le librairie. Waouh. Lire des livres. Okay. Bonjour. Trick Room for Dummies by London. Ok, on va accélérer un peu. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Moi je me cultive, je lis des livres. Même dans Pokémon, je lis des livres. Je veux me cultiver, devenir swagué. Et comme ça je pourrai toujours me la péter. Auprès des filles intelligentes, un peu chiantes, mais charmantes. C'est ce que je préfère, qu'elles manquent pas d'elles. Et qu'elles soient pas trop terre à terre à terre à terre. Oh, oh, lire des livres, livres, wow. Lire des livres, livres, wow. Lire des livres, livres, wow. Après ça, je pourrais draguer les cultiver, yeah. Ceci était un message de la Fédération Française des Livres. Lisez, c'est bon pour la santé. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un budou? Un budou? Un budou? Oh là là, je le veux dans mon équipe! Bague. En plus, la meuf m'a donné des Ultra Balls, c'est pratique. Ok, ok, je la veux dans mon équipe. Je te veux toi dans mon équipe. 1, 2, 3. Mais du coup, on va devoir remplacer quelqu'un. Et ça va être l'objet du vote de la semaine prochaine. Oh, Ténèbres Fées. Ah, mais j'ai déjà un Pokémon de type Fée. On va l'appeler... Ou Jean Hubert. Ah, Jean Hubert. Jean Hubert, c'est parfait. Jean Hubert. Jean Hubert. Le nouveau Patoche. The Patoche Legacy. Regardez ça. Il est trop choupi. Shadow Dance. Booste la speed stat quand la New Moon est active. Oh là là, je le sens trop bien. Vas-y, Dark Fée. Ça fait faiblesse poison. C'est pas très intéressant. Comme type, c'est pas très intéressant. Mais au moins, j'ai un nouveau Pokémon. Et vous allez devoir voter, et oui, pour qui sera le remplacer. Parce que vous savez que moi, 4 Pokémon, c'est le maximum dans ma team. Et oui. Il y aura un des Pokémon qui s'en ira. Alors, vous pouvez vous venger pour Patoche en virant Cleaver. Vous pouvez virer les Anus. Vous pouvez virer Distingué. Je ne sais pas, mais il va falloir que vous décidiez. Oh, bah, New Moon. Oh, bah, dis donc, tout est fait pour. Regardez. Qu'est-ce que ça fait, New Moon? Augmente le pouvoir des attaques de type Ténèbres et Ghost. Waouh. Alors, il me reste peut-être un coin ici, mais ici j'arrive pas à rentrer. Voilà. Ah, d'accord, il fallait cliquer dessus. Une aile abandonnée. Oh oui. Oh, on va rentrer dans l'aile abandonnée. Oh oh oh.
Est-ce que tu vas dans l'aile abandonnée? C'est quoi son look? Ah non, mais c'est pire qu'une queue de cheval ce qu'il a, regardez, il a un... Ah non, 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 mais il est bicolore! Il est bicolore! On dirait il a... On dirait il a une aile sur la tête, une aile violette! On cherche un très vieux bouquin, on est des dresseurs, on essaye de tuer les cultes. Et voilà, on veut découvrir la prophétie. Mais putain, mais ta gueule! Arrête de dire ce genre d'informations! Touriste. C'est toi le touriste avec ta bicolorité, là. Oui. Il y a un orbe qui brille. Ah, oh, depuis que cette librairie a été construite. Ça a été construit sur l'orbe. Oh. D'accord. C'est en rapport avec la prophétie. D'accord. Oui. Est-ce que tu veux vraiment perdre ton temps? Ouais, 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 ouais. On y va, let's go. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a des Pokémon! Attends, il y a des Pokémon et des dresseurs? Des dresseurs! Des dresseurs derrière une aile abandonnée de la bibliothèque. Les mecs, ils sont là. Oh, ils sont momifiés, tu sais. Ils sont là depuis 100 ans. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais ça fait combien d'années que t'es là? Tu ne devrais pas être là, mais toi non plus. Toi non plus, tu devrais pas être là, bruti. Ah bah super, bah ah oui, bah oui, bah alors j'ai bien fait d'oublier Night Slash, bordel de merde. Super intelligent, Fildrong. Merde, je me sens vraiment con là pour le coup. Flinch-le. Bon, ça va. Oh mon dieu. Ouais, c'est le truc. Ah putain, c'est le truc qui a 100% de chance de burn. Dis-moi que j'ai une guérison parce que sinon ça va être tendu. Hein. Oh mon dieu, il me reste 4 points de vie. Il faut que je lui réapprenne une attaque. C'était vraiment une mauvaise idée. Enfin non, c'est pas une mauvaise idée dans les faits. C'est juste que comme aujourd'hui, je suis pas foutu de... Enfin, je peux pas apprendre autre chose. Je peux pas utiliser d'autres Pokémon. C'est un peu compliqué. Oh, Nasty Plot. Sucker Punch. Oh, merci. Oh, je l'ai déboîté. Par contre, les dégâts de Cleaver. Cleaver Mega. Niveau 58 déjà. Hein. Bon, y a des livres ici? Non, y a rien. Oh là là, l'aile abandonnée de la bulle. Ah, y a des Pokémon. Bon, alors attendez. Parce que là, il va y avoir plein de fantômes. Donc en fait, il me faut de quoi toucher. Ouais, non, en fait, non. Allez, on va le faire en mode challenge, comme ça, ce sera encore plus dur. Ah, mais c'est cool, hein. Il y a des branettes et tout, c'est assez classe. Ah! Ils sont partout, les Pokémon! Bonjour. Cette librairie... Cette bibliothèque! Oh, ectoplasma! Je vais méga évoluer. Méga Cleaver! Il est trop fort, il est trop beau, il fait payback. Oh, mais arrête de rater tes attaques, par contre. Non, mais... Cleaver, s'il te plaît, il te reste que 2 attaques. Ok, je vais devoir aller au centre Pokémon. Oh là 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 là. Je reviens. Bonjour. Oh, une corde de sortie. Super, je vais pouvoir sortir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est suspect. C'est très très suspect. C'est l'orbe. C'est très suspect. Il n'y avait même pas de prophétie, c'est juste une légende. C'est suspect. Oh mon dieu, ça va réagir. Oh mon dieu. Regardez. Qui me réveille? Qu'est-ce que c'était? Oh non, ça ne s'est jamais passé avant. Oh, c'est bien d'être debout à nouveau. C'est Rose, donc c'est Xerneas. Si tu es après la prophétie, il va falloir que tu travailles plus dur. C'est moi qui ai écrit la prophétie il y a très longtemps. Mais tu penses... tu as tort si tu penses que je vais te le dire. Je suis le pro... J'étais le prophète d'Arceus et l'oracle de Delphox. De Goupelin? Mais il est nul, Delphox. Il est nul, Goupelin. Ok, d'accord. Avant que Owen soit créé, j'étais le prêcheur. Oui, bah ça va, t'es un peu Jésus, quoi.
Si tu veux savoir le secret du futur, tu dois me défier. Ah bah non, parce que Jésus, il voulait pas qu'on combatte. Ancien oracle. Bon, alors, je ne méga évolue pas. Pas parce que j'ai oublié. Mais parce que s'il a un spectre, je vais être dans le caca. Oh merde, il a Delphox. Oh merde, je suis tellement dead. Oh merde, mais je le passerai pas, hein. Je le passerai pas. Je passerai pas Delphox, les amis. Non, je regrette de m'être moqué de toi. Je suis type combat. Il fait glace. Putain, mais non, mais j'y arriverai pas. Comment je peux faire? Alors, on va dire que j'ai le droit de laisser mourir un autre Pokémon pour me soigner. Parce que sinon, je peux pas de toute manière. Donc, c'est soit je peux pas. Ok, on va du coup se soigner. On laisse mourir Distingué, qui ne sert pas dans les faits, hein. C'est juste que bah c'est ça où bah de toute manière j'ai perdu. Donc, enfin, de toute manière, je sais pas ce que je fais. Donc, allez, Cleaver. Voilà, tue-moi. Et là, maintenant, je peux réutiliser le petit Cisaillox. Ah! Pardon. Ouch! Ok, j'ai tué le Pokémon combat psy-feu. Mais je peux pas le toucher du tout! Si, j'ai ça. Oui, j'ai ça. I guess. Flinche-le. Oh, il s'est trans... Oh, merde, je suis mort. Non, je suis pas mort. Oh, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis mort. Bague. Hyper potion. Allez, on va le faire, on va le faire. C'est dur, hein, putain. J'aurais pas dû prendre lui, en fait. Ouh, sacré sword. Putain, les dégâts. Ok. Non, mais là, par contre, il est plus en forme... voilà. Du coup, je suis beaucoup meilleur contre lui. Beaucoup meilleur. Bravo, Fildrong. T'as d'autres Pokémon qui résistent à la fois la glace? Je vais me booster parce que... Au moins, ça devrait lui faire très mal. Non! Non! Il m'a fait cure cette body! C'est pas possible, sérieusement. Bon, je continue à me booster. Ah non, j'avais oublié ça, putain. Pas grave, on va laisser mourir Jean-Hubert et on va ressusciter. J'ai fait une promesse. J'ai pris le défi, j'ai dit je n'utilise qu'un seul Pokémon et je tiens mes promesses. Voilà, je tiens mes promesses. Qu'on me dise jamais, Fildrong, il fait pas les défis. Je suis prêt à souffrir pour vous. Ah, du coup, je suis plus méga... Oh, c'est intéressant, ça. Ça, je savais pas. En même temps, t'es pas supposé ressusciter tes Pokémon dans un combat stratégique. Mais du coup, là, je peux faire le sweep. Voilà. Branette. Allez, crochop dans ta gueule. Oh, méga Branette, méga Branette. Non, mais je le défonce, je le défonce, je le défonce. Putain, arrête de rater tes attaques! Embargo. Tiens! Voilà, Cleaver est le plus fort. Ah bah donc ça a été tendu, hein. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Je viens de gagner! Putain, mais pourquoi j'ai choisi Cleaver, sérieusement? Je me tape que des Pokémon spectres et des Pokémon qui résistent la glace, c'est fou quand même. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Eh, hey, pas mal. Ah, je vais cracher les haricots, c'est une expression qui veut dire je vais cracher la vérité. Ok, la prophétie a été mal comprise. Ouais. Même les cult leaders, on n'est jamais entendu de la vraie version. Oh, ils ne savent pas la vraie prophétie. On dirait un... la bulle, elle est tout en bas, c'est très moche. On dirait qu'elle éclaire à la lampe de poche, comme ça. C'est vrai. Je ne te lirai pas à l'intérieur. Ah, c'est un terrible poème. D'accord, je ne veux pas être cet oracle. Ok. La première chose prédite était l'émergence d'un héros choisi par un Pokémon légendaire. On est trois là. Deuxièmement, ce héros va avoir du succès, va réussir. Et il ne sera pas défaité dans Tauren. Il va aller à la suite. D'accord? La deuxième secrète, celle que personne ne sait, un peu comme dans Harry Potter, tu sais.
C'est que le héros, à la fin, va joindre le culte infernal et trahir leurs amis. Oh merde. Hein ? Un de nous va joindre l'infernal culte. J'espère que c'est Damien, s'il te plaît. Qui est le héros ? Comment on peut empêcher ça d'arriver ? Tu ne peux pas empêcher le destin. Non, il est parti ! Ah ! Shut up. Comment tu peux rester si calme ? Parce qu'il s'en fout de nous. Il y en a un, c'est un traître. C'est Damien. C'est Damien le traître. C'est Damien le traître. Damien le traître. Damien le traître. Damien le traître. La la l'air. Je vais te tuer quand tu seras un traître. Ok, ne panique pas. Damien. On va perdre. Oh non, les gens vont mourir. Oh non, on doit travailler ensemble. C'est toi le traître. Traître. Tu me critiques. Oh putain, les dissensions. Oh mon dieu. Si j'étais un infernal cultiste en déguisement, je n'attirerais pas l'attention sur moi. Mais bien sûr, tu ne saurais rien. Tu ne saurais rien du tact. Oh, pas monsieur, j'ai parlé en public devant les cultistes et j'ai été kidnappé dans une décharge publique. Tiens, dans ta gueule, Damien! Nora, please, arrête. Tu sais ce que je pense, Damien? Je pense que ta mère adoptive avait raison à ton propos. Trois petits points, trois petits points. J'y vais. Popopo, Damien! Pop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